je rentre dans la pièce, je referme la porte discrètement derrière moi, et là j'arrive dans une pièce beaucoup plus. Ok les gars, pour le 28, là mes potes viennent. Pour bah, la crémaillère. D'ailleurs, faut qu'on pense à prévenir les voisins. Je sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai rencontré le voisin tout à l'heure. Jean-Pierre Coff. Qui? Jean-Pierre Coff. Hein? JP. Oh. Après, moi ce mec là, je t'en parle depuis tout à l'heure, je le connais pas plus que ça, mais c'est peut-être un mec sympa. De ce que j'ai vu, une tête de puceau est sacrément moche. Et voilà, bah, s'il est puceau, il pourra rejoindre notre assos. Et donc, il vient à la crémaillère. Ouais. Et on pourra sympathiser. Non, 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 il va nous faire de l'ombre, les gars, c'est pas possible. Ouais, tu viens de dire qu'il était moche et puceau. On est peinards. Dans la vie, tout choix que tu fais a des conséquences. On t'agit sans réfléchir. Et comme si tu laissais la vie faire des choix pour toi. Tu répètes pareil que moi. C'est lui qui a dit ça. Putain, mais qu'est-ce que j'ai faim. Non mais moi j'ai rien dit. Si si, c'est lui qui a dit. Hein? Oh non. Mais si. Lui, il voudrait... Il voudrait vous dire quelque chose. On voudrait des techniques de drague. C'est tout simple les gars. Tu la façonnes, tu la complimentes, tu la fais rire. Je te montre que t'as confiance en toi, je te montre que t'as de la force, et bien sûr, t'as du talent. C'est tout, c'était le mince. Chercher à savoir s'il fallait absolument garder espoir qu'un jour ou l'autre on pourrait trouver la perle rare et la ramener dans nos plumards. Oh oui, croire à une belle histoire et la rendre heureuse tous les soirs. Tel qu'il faudrait qu'on se sépare pour enfin stopper les mouchoirs. En lui montrant que j'arrivais à lécher les pieds et que je le faisais même en conduisant, ouais. J'ai mis toutes les chances de mon côté en lui faisant des compliments sur du duvet qu'elle avait sous le nez, qu'il était vraiment très charmant. T'aurais peut-être pu la choper si elle avait de l'alcool dans le sang. D'abord tenter de la faire rigoler en lui disant que derrière elle, un handicapé était dans un fauteuil roulant. Je lui ai aussi montré que j'étais costaud et puissant en frappant un petit gamin qui voulait me piquer mon déguisement. T'aurais dû lui dire que t'as gagné le concours de gobage de flanc. Oh, 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 oh.
j'essaie de draguer. Fini les braguettes fermées. On a l'art de galérer pour toutes les attraper. Sommes-nous kékés? J'ai voulu lui montrer que j'étais un mec confiant en tentant un salto avant, mais je me suis vautré comme un gland. J'ai tenté de lui révéler mes multiples talents en mimant un éléphant, mais elle a trouvé ça très chiant. T'aurais peut-être dû lui montrer ce que tu sais faire avec ton banc. C'est de draguer.